Gloire à Dieu. Je vais essayer de donner mon témoignage en français. Je l'ai étudié seulement à l'école. Maintenant, il y a 30 ans, je ne l'ai jamais pratiqué avec quelqu'un. J'espère que vous, et je prie le Seigneur, que vous me comprenez. Quand je pense à mon témoignage, je me rappelle un vers de l'apôtre Paul. Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses qui ne sont rien. Et je suis une chose qui n'est rien. Je suis née dans une famille chrétienne au sud de l'Italie, non loin de Naples. Mes parents étaient des vrais chrétiens. Et j'ai vu mon père, maintenant il est avec le Seigneur, mon père lisait, il avait par habitude de lire la Bible chaque matin, 6h, 6h30, avec sa voix haute. Et je disais souvent, papa, je vais m'endormir, papa, je vais dormir. Mais cet héritage m'a laissé mon père. Et je vais donner aussi cet héritage à mes enfants. Et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur quand j'étais très petite. Environ, j'avais 13 ans. Et je me rappelle, dans une réunion comme cette, j'ai fait une prière au Seigneur. Seigneur, je vais être la femme de ton serviteur. J'étais très innocent. Et pendant que j'ai fait cette prière, j'ai réalisé que je chantais un chant, une chanson, crois en Jésus, crois en Jésus, tout est possible, crois en Jésus. Maintenant, je l'ai oublié cette prière, mais le désir de servir le Seigneur était toujours dans ma vie. Et souvent, je disais à mon père, « Papa, je vais aller à l'école biblique. Papa, je vais aller à l'école biblique. » Et papa me disait, « Après les études, où tu veux aller ? Après les études. » Quand j'avais l'âge de 16 ans, j'allais du sud de l'Italie, au nord de l'Italie, pour visiter quelques personnes, et j'ai rencontré l'amour de ma vie, Renato, et j'ai commencé à prier, Seigneur, je vais l'oublier, parce que je ne suis pas belle, il est très beau pour moi. Seigneur, je vais l'oublier. Mais le Seigneur n'a pas écouté cette prière. Et nous nous sommes fiancés, nous étions vraiment petites. Et nous avons la même âge. Et nous avons commencé à prier ensemble. Seigneur, nous voulons comprendre ton plan pour notre vie. Seigneur, nous voulons comprendre ton plan. J'habitais au sud de l'Italie, il habitait au nord, mais souvent nous prions le Seigneur ensemble. Et nous avons marié il y a 30 ans, la prochaine semaine, mardi, 30 ans de mariage. Et après notre mariage, nous sommes allés ensemble à l'école biblique et nous avons commencé notre chemin avec le Seigneur. Le Seigneur m'a donné trois enfants, une fille et des garçons et une petite fille qui doit encore accepter le Jésus comme mon sauveur parce qu'elle a 15 mois et très petite. Beaucoup de fois j'ai vu la gloire du Seigneur dans ma famille, dans ma église, et je désire chaque jour d'être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. À Dieu soit la gloire. Amen.
Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. È una grande cosa essere qui. C'est une grande chose que d'être ici. È una gioia speciale. C'est une joie spéciale. E per me è un onore veramente grande. Et pour moi c'est vraiment un grand honneur. Sono veramente grato al Signore e a questo caro fratello per avermi invitato fra voi. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur et à ce frère de m'avoir invité parmi vous. Questa è la prima volta nella mia vita che ho predicato in Francia. C'est la première fois dans ma vie que j'ai prêché en France. E sono stato veramente benedetto dalla vostra fratellanza. Et j'étais vraiment béni par votre communion fraternelle. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Avevo qualche dubbio che alle 3:30 venisse qualcuno in chiesa. J'avais quelques doutes, mais j'espérais qu'à 3:30 il y ait du monde dans l'église. Ma Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Nel nostro paese a quest'ora c'è la siesta. Dans notre pays à cette heure-ci, les gens font la sieste. Ma gloria a Dio, siete veramente perseveranti. Mais gloire à Dieu, vous êtes vraiment persévérants. E Dio vi darà premio. Et le Seigneur vous récompensera. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Alla parola, alla scrittura. À l'écriture, à la parole. Quest'oggi voglio meditare un passo dal Vangelo di Matteo, capitolo 9, verso 11. Cet après-midi, je veux méditer un passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 11. Leggeremo anche lo stesso verso in Luca, capitolo 15, il verso 2. Nous lirons le même passage dans Luc, au chapitre 15 et au verset 2. 9, 11. Lisons dans Matthieu 9, 11. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» E leggiamo lo stesso testo anche in Luca 15, verso 2. E lisons le même passage dans l'Évangile de Luc. Perché, come noterete, c'è una piccola differenza. Dans Luc 15, 2, et vous verrez qu'il y a une petite différence. Luc 15, 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Entriamo subito nel messaggio. Entrons tout de suite dans le message. In Matteo, dans Matthieu, è posta una domanda. Il y a une question qui est posée. La domanda è chiara: perché il vostro maestro mangia con i peccatori e i pubblicani? La question est très claire: pourquoi votre maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie et des publicains? La domanda non è semplicemente per avere un'informazione, ma è motivata da un cattivo sentimento. La question n'est pas simplement une question pour connaître une information, mais à la base il y a un mauvais sentiment. È acida questa domanda. Elle est acide cette question. È una domanda cattiva. C'est une question qui est mauvaise. È tutta infarcita di disprezzo. Elle est enveloppée de mépris. Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori? Pourquoi votre maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie et des publicains? Sembra quasi che stia dicendo. C'est comme s'ils étaient en train de dire. Vi rendete conto chi state seguendo? Est-ce que vous vous rendez compte de celui auquel vous vous attachez? State ponendo la fiducia in un uomo che se la fa con i peccatori. Vous mettez votre confiance dans un homme qui vit avec les pécheurs. Questo è il vostro maestro. C'est celui-ci votre maître. Perché lo fa? Pourquoi le fait-il? E questa domanda. Et cette question. Ci offre l'occasione per dare delle risposte. Elle va nous permettre de trouver des réponses. Mentre pensavano di offendere il Signore. Alors qu'ils pensaient qu'ils allaient offenser le Seigneur. Lo stavano invece complimentando e onorando. Ils étaient en train de l'honorer et de le féliciter. Alleluia. Alleluia. Vi racconto un piccolo aneddoto. Je vais vous raconter une anecdote. C'era un architetto che voleva fare, c'è stato un architetto che voleva fare abbellire un palazzo reale in Teheran, la capitale dell'Iran. Voilà, il y avait un architecte qui voulait embellir un palais royal à Téhéran en Iran. Ha ordinato dei vetri speciali, meravigliosi specchi dalla Francia proprio. Il a justement commandé en France des vitraux spéciaux pour ce palais. Per fare questa stanza.
pour faire, on va dire, cette chambre. Dopo un lungo viaggio in nave, après un long voyage en bateau, questi vetri si ruppero. Ces vitraux se sont cassés. Et piuttosto di mandarli indietro, et au lieu de les retourner, ces vitraux, fece tanti pezzi, il a fait beaucoup de petits morceaux, et compose un mirabile mosaico. Et il a fait une mosaïque extraordinaire avec. Ancora oggi possiamo vedere uno dei più bei mosaici al mondo in Teheran. Et nous pouvons voir aujourd'hui une des plus belles mosaïques au monde à Téhéran. Il nostro maestro, notre maître, ha raccolto i nostri cocci spezzati. Il a ramassé un petit peu nos vies brisées. Ci mette insieme. Il nous rassemble. Mette insieme tutti questi pezzi rotti. Il met ensemble tous ces morceaux brisés. E lui, con le sue mani d'artista, et lui avec ses mains d'artiste, fa della nostra vita un mosaico meraviglioso. Il fait de notre vie une mosaïque merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Mette insieme la tua famiglia. Il met ensemble ta famille. Ti unisce con il tuo coniuge. Il te réunit avec ton conjoint. Mette insieme tutti i pezzi del tuo cuore. Il met ensemble tous les morceaux de ton cœur. Tutti i sentimenti rovinati dal peccato. Tous les sentiments qui ont été détruits par le péché. Dobbiamo solo mettere la nostra vita fatta di mille pezzi. Nous devons mettre notre vie faite de mille morceaux. Nelle sue mani. Dans ses mains. E dirgli fai tu ciò che vuoi della mia vita. Et lui dire Seigneur fais ce que tu veux de ma vie. E vedrai il risultato. Et tu verras le résultat. Lo vedrai il risultato. Et tu le verras le résultat. Alleluia. Gloria al suo nome. Gloire à son nom. Perché mangia con i peccatori pubblicani? Pourquoi mange-t-il avec des publicains et des pécheurs? Perché li accoglie. Parce qu'il les accueille. Dice Luca. E poi mangia con loro. Il les accueille et ensuite il mange avec eux. I farisei, i sacerdoti erano scandalizzati. Les pharisiens, les sacerdoti, ils étaient scandalisés. Perché loro erano abituati a dire fatti più in là, tu sei un peccatore. Parce qu'ils étaient habitués à repousser les pécheurs. Questo maestro invece, il contrario, dice avvicinati a me peccatore. Mais ce maître, il disait aux pécheurs, venez à moi pécheur. E la stessa cosa ha detto a te quest'oggi. Et cet après-midi, il fait la même chose envers toi. E io sono convinto che lo Spirito Santo stia dicendo questo a ciascuno di noi. Et je suis certain que l'Esprit du Seigneur le dit à chacun de nous. Gloria al suo nome. Gloire à son nom. Vieni, vieni a me. Viens, viens à io moi. Io ti accolgo. Et je t'accueille. Non ti mando via vuoto. Je ne te renvoie pas à vide. Mettiti nelle mie mani. Mets-toi entre mes mains. Io voglio stare con te. Je veux être avec toi. Voglio mangiare con te. Je veux manger avec e toi. E voglio condividere la mia vita con te. Et je veux partager ma vie avec toi. Questo è il nostro maestro Gesù. Voici, celui-ci est notre Alleluia. Maître Jésus. Gloria al suo nome. Amen. Gloire à Dieu. Perché mangia con i peccatori e i pubblicani? Pourquoi mange-t-il avec des pécheurs et les publicains? Una prima risposta. Une première réponse. La scrittura dice mangia. L'écriture dit il mange. Mangia. Mange, il mange. Questo ci dice lui mangia con i peccatori perché è perfetto uomo. Il mange avec les pécheurs parce que c'est un homme. Sembra una cosa banale quella che ti stia dicendo. C'est peut-être une chose ordinaire que je suis en train de te dire. Ma fratelli ed amici cari, mes frères et chers amis, Jésus est Dieu fait carne. Jésus est Dieu fait chair. È la seconda persona della Trinità che si è fatto uomo. C'est la deuxième personne de la Trinité qui est devenue homme. È nato nel grembo vergine di Maria. Il est né dans le sein vierge de Marie par le Saint-Esprit. E la parola si è fatta carne. Et la parole est devenue chair. Ed ha abitato un tempo fra noi piena di grazia e di verità. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Gesù ha partecipato alla carne e al sangue come noi. Jésus a participé à la chair et au sang comme nous. E questo miracolo dell'incarnazione. Et ce miracle de l'incarnation. Che noi non riusciamo ad immaginare e a comprendere. Nous ne pouvons ni imaginer ni comprendre. Come l'infinito Dio. Comment Dieu le Dieu de l'infini si sia potuto mettere in un corpo finito? A-t-il pu se mettre dans un corps fini? Com'è possibile che lui si sia fatto uomo? Comment est-il possible qu'il soit devenu homme? È diventato uno tra noi. Il est devenu un semblable à nous. E lo ha fatto per un preciso motivo. Mais il l'a fait pour une raison précise. Egli doveva andare al Calvario sulla croce. Il devait aller au calvaire sur la croix. E con quel corpo sacrificare la sua vita come l'agnello di Dio che toglie il peccato. Amen. Avec ce corps sacrifier sa vie comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché.
Facciamo uno sforzo mentale. Faisons une petite, un petit raisonnement mental. I bambini ci riescono meglio di noi. Les enfants, ils y arrivent mieux que nous. Immaginate di andare nel vostro giardino. Imaginez d'aller un instant dans votre jardin. Di alzare una pietra. De soulever une pierre. Trovate sotto tanti vermiciattoli. Et en dessous vous trouvez plein de vers. Qualche formichina. Une petite fourmi. E immaginate con l'immaginazione di un bambino. Et soyez à la place d'un enfant qui s'imagine. Voi esseri umani. Nous être humains. Di diventare un invertebrato. De devenir un invertébré. Ci vuole uno sforzo. Il faut un effort extraordinaire. Giusto questo per dirvi. Ceci simplement pour dire. Dio si è fatto carne. Dieu est devenu chair. E Gesù è venuto fra noi. Et Jésus est venu parmi nous. Grazie a Dio per questo miracolo. Merci au Seigneur Gesù pour ce miracle. È il dono ineffabile di Dio Padre. Jésus est le don ineffable de Dieu le Père. E noi questa sera vogliamo dire al Padre grazie perché ci hai tanto amato di avere dato il tuo unico figlio per noi. Et nous voulons dire au Père merci parce que tu nous as tellement aidé, tu nous as donné ton fils. Gloria al Signore. Ma perché mangia con i peccatori e i pubblicani? Mais pourquoi mange-t-il avec les gens de mauvaise vie et les publicains? Perché egli è il medico che vuole guarirci. Parce qu'il est le médecin qui veut guérir. E infatti dice qui la scrittura. Et l'écriture dit ceci. Dopo la domanda dei farisei. Après la question des pharisiens. La scrittura Gesù dice. L'écriture verso dit, 12. Au verset 12, 9-12. Prego. Jésus les ayant entendus leur dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Io mangio con i pubblicani e i peccatori perché io sono il medico. Moi je mange avec les publicains, les gens de mauvaise vie parce que je suis le médecin. Oggi si dice spesso, noi lo sentiamo in Italia dai nostri dottori. Nous entendons souvent aujourd'hui, on l'entend en Italie par nos médecins. Che il problema più grande oggi per noi che viviamo nel consumismo viene dalla tavola. Nous savons que le problème le plus grand dans la consommation, eh bien, son origine c'est la table, l'alimentation. Una cattiva alimentazione produce degli effetti negativi. Noi siamo quello che mangiamo. Une mauvaise alimentation produit des effets négatifs. Nous sommes ce que nous mangeons. Se abbiamo una vita regolare, se mangiamo in un modo regolare, avremo degli effetti. Si nous avons une vie régulière, une alimentation régulière, nous aurons des effets dans ce sens. Viceversa, se mangiamo in modo sregolato, avremo altri effetti. Et à l'opposé, si on mange d'une manière irrégulière, il y aura d'autres effets contraires. Mi piace pensare di rispondere in questa maniera a questa domanda. Perché mangia con i pubblicani e i peccatori? Et j'aime à répondre de cette manière. Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Perché come medico della nostra vita, egli viene in casa nostra, viene nel nostro cuore per cambiare la nostra dieta. Parce qu'il est le médecin de nos vies et il vient dans nos maisons. Il vient chez nous pour changer notre régime. Quando ho accolto Gesù nella mia vita. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie. Egli mi ha cambiato il gusto. Il a changé le goût. Il gusto della vita. Le goût de la vie. Ciò che reputavo gustoso e piacevole prima mi è diventato disgustoso e odioso. Ce qui pour moi avait un goût avant est devenu maintenant quelque chose de fade et de pas bon. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Lui è il medico che cambia la nostra vita. Il est le médecin qui change nos vies. Lui è l'uomo, il perfetto uomo che comprende i tuoi bisogni. Lui c'est l'homme, l'homme parfait qui comprend tes besoins. Ed egli mangia con te, sta a tavola con te perché ti capisce, ti comprende. Et il veut manger avec toi à table, il veut rester avec toi parce qu'il te comprend. Egli è venuto per guarire i peccatori della peggiore malattia. Il est venu pour guérir les pécheurs qui ont la pire des maladies. Alleluia, benedetto il suo nome. Que son nom soit béni. Ma anche per guarire il nostro corpo. Mais aussi pour guérir notre corps. Il nostro Dio è un Dio che guarisce. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vi racconto un piccolo aneddoto. Je vais vous raconter une anecdote. C'era un bambino. Il y avait un enfant. Che si desiderava tanto avere un cane. Il aimait vraiment, il souhaitait avoir un chien. Ma siccome i suoi genitori vivevano in un appartamento, non era possibile e dicevano sempre no.
Et comme ses parents vivaient dans un appartement, c'était difficile. Alors ses parents disaient non, c'est pas possible. Fino a un certo punto che lui disse: papà, papà, c'è un contadino qui nella fattoria qui a fianco che ha messo un cartello: vendo cuccioli di cane. Jusqu'à un certain moment, l'enfant a dit à son père: papà, il y a un fermier à côté ici qui a avec un panneau: ici on vend des chiots. E il papà, per scoraggiarlo, disse: va bene, però te lo paghi con i tuoi soldi. Et le père a dit: ok, mais c'est toi qui l'achètes avec tes sous. E il mio bambino, tutto felice: va bene, papà. Ok, papà, rispondeva. Andò a rompere il salvadanaio. Alors il a cassé sa tirelire. Riempì la borsa degli spiccioli. Il a pris toute la petite monnaie, la menu. E tutto contento andò dal contadino. Il est allé voir ce fermier. E disse: io voglio un cucciolo di cane. Et je veux un chiot que tu vends. Papà m'ha dato il permesso. Mon père m'a donné la permission. E il contadino disse: ma questi cani sono di razza, costano un sacco di soldi. Le fermier a dit: attention, ce sont des chiens de race, ils coûtent pas mal, hein. Però vedeva questo bambino così entusiasta e disse: va bene. Mais quand il a vu cet enfant si déterminé, il a dit: e allora, ok, j'accepte. Fece un fischio. Et alors il siffla. Fischiate anche qui per far venire i cani? Est-ce qu'ici vous sifflez pour faire approcher les chiens? Eh? Bon, ça je le fais pas. E venne fuori un cagnolino con i cuccioli. Et alors tout de suite le chiot s'amena avec il s'approcha, on va dire. L'ho fatto perché se casomai c'era qualcuno che dormiva. Je l'ai fait parce que s'il y avait quelqu'un qui dormait, voilà. Quindi è probabile che lo faccio di nuovo. Il est probable que je le refasse à nouveau, hein. Vennero dei cagnolini. Alors ces petits chiots s'approchèrent. E in ultimo c'era un cagnolino che venne con una gamba atrofizzata. Et tout en dernier, il y avait un petit chiot qui avait une petite patte avec laquelle il boitait. Quando questo bambino vide quel cane. Et quand cet enfant vit ce petit chiot qui boitait. Disse: voglio quello, voglio quello. Et il a dit: je veux celui-ci, celui-ci. Il contadino disse: no, scegli il più bello, quello che vuoi. Ma non, lo fermier lui dit: ne prends pas celui-là. Lasciò i soldi al contadino, corse vicino a quel cane, lo prese in braccio e dice: voglio questo, io lo capisco, io lo capisco. E allora l'enfant donna l'argent a ce fermier e dit: no, moi je veux ce petit chiot parce que je le comprends et je le veux. E mentre correva. E pendant qu'il courait. Il contadino comprese perché diceva così. Eh bien, ce fermier comprit pourquoi il disait cela. Perché mentre correva, il pantalone della gamba si alzò. Pendant qu'il courait, eh bien, son pantalon de l'enfant était un peu retroussé. E vide che aveva nella gamba destra una protesi. Et il a vu que dans sa jambe droite, il y avait une prothèse. Io lo capisco. Je le comprends. Io lo comprendo. Je le comprends. E il Signore questa sera vuole dirti. Et ce soir, le Seigneur veut te dire. A ciascuno di noi. A chacun de nous. A te che sei un marito. A toi qui es un mari. A te che sei una moglie. A toi qui es une épouse. A te che sei una mamma. Toi qui es une maman. Un padre, un figlio. Un père, un fils. Un nonno, un nipote. Un homme, une femme, une nièce. A te che sei un giovane che hai i tuoi problemi. Toi qui es un jeune avec tes problèmes. Tu che sei una ragazza che hai i tuoi problemi sentimentali. Toi qui es une jeune fille avec tes problèmes sentimentaux. Noi che abbiamo i nostri conflitti umani e carnali. Nous qui avons nos conflits charnels et humains. Lo Spirito Santo ti dice questa sera. L'Esprit Saint te dit ce soir. Io ti capisco, io ti comprendo. Je te comprends, je te comprends. Io sono stato uomo come te. J'ai été homme comme toi. Noi abbiamo un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi. Il y a un seul sacerdote qui peut nous transmettre sa sympathie. È stato tentato in tutte le maniere come noi. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Ed egli ti comprende. Et il te comprend. E prima ancora che nella tua mente si formi la preghiera. Et avant même que dans ton cerveau il y ait une prière. E prima che si esca dalle tue labbra. Et avant qu'elle ne jaillisse de tes lèvres. Lui conosce già il tuo bisogno. Il connaît déjà ton besoin. E questa sera io ti voglio dire: affidati nelle sue meravigliose mani. Et je veux te dire cet après-midi: confie-toi dans ses mains. Non temere, mettiti nelle sue mani. Ne crains pas, mais confie-toi dans ses mains. Gettati fra le sue braccia. Et bien, jette-toi dans ses bras. Puoi fidarti di Dio. Tu peux avoir confiance en Dieu. Puoi fidarti di Dio. Tu peux avoir confiance en Dieu. Non dire: ce la faccio da solo. Ne dis pas: je m'en sors tout seul. Non dire: sono un uomo, non posso cedere. Je suis un homme, je ne peux pas céder. Non posso fare vedere che sono debole. Je ne peux
Je peux pas démontrer que je suis Umiliati faible. Davanti al Signore. Humilie-toi devant le Seigneur. Se ti scappano le lacrime, piangi davanti all'Eterno. Et s'il y a des larmes, pleure devant l'Eterno. Spandi il tuo cuore davanti a Dio. Répands ton cœur devant Dieu. Perché il Signore saprà mettere insieme i cocci della tua vita, i pezzi della tua vita. Parce que le Seigneur pourra réunir les morceaux brisés de ta vie. E fare di te una persona meravigliosa. Et faire de toi un être merveilleux. Lui è l'Onnipotente. Il est l'Omnipotent. Credi in Gesù. Crois en Jésus. Credi in Gesù. Crois Jésus. E vedrai la gloria di Dio. Et tu verras la gloire de Alleluia. Dieu. Alleluia. Perché mangia con i peccatori e i pubblicani? Pourquoi mange-t-il avec les gens de mauvaise vie et les publicains? Perché sono un uomo e li capisco. Parce que je suis un homme et je les comprends. Perché sono medico e li guarisco. Parce que je suis un médecin qui les guérit. Perché sono un amico e li consolo. Je suis un ami et je les console. Alleluia. Alleluia. C'è un detto in Italia. Il y a un dicton en Italie. Siamo veramente amici se mangiamo un chilo di sale insieme. Nous sommes vraiment des amis si nous mangeons un kilo de sel ensemble. Oppure con lui non è mio amico, non ho mai mangiato insieme con lui. Lui ce n'est pas mon ami, j'ai jamais mangé avec lui. Anche in Francia si dice così. Est-ce qu'en France on dit pareil? Quando si mangia insieme. Lorsqu'on mange ensemble. Si è amici. On est amis. Io posso dirlo con il fratello Mattina adesso. Je peux le dire avec le frère Mattina maintenant. È un mio amico. C'est mon ami. È un fratello in Cristo. C'est un frère en Christ. Abbiamo mangiato insieme. Nous avons mangé ensemble. Stiamo mangiando insieme ora. Nous sommes en train de manger ensemble. Alla tavola del Signore. À la table du Seigneur. A quella tavola. À cette table. Oh meraviglia delle meraviglie. Oh merveille des merveilles. Oh gloria al Signore. Gloire à Jésus. Il re dei re. Le roi des rois. Il Signore dei signori. Le Seigneur des seigneurs. Il Dio dell'universo. Le Dieu de l'univers. La parola che ha creato tutte le cose. La parole qui a créé toutes choses. Si è fatto uomo. Est devenu homme. Ed è venuto vicino a me che sono un peccatore. Et s'est approché de moi qui suis un pécheur. E ha detto: io voglio stare con te, mangiare con te, vivere con te. Elle a dit: je veux manger avec toi et je veux vivre avec toi. Come il centurione, io e voi ci sentiamo di dire: ma non sono degno di riceverti a casa mia. Comme le centurion, nous pouvons dire: je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Ma egli è disposto. Mais lui, il est disposé. E alla porta e bussa. Il est à la porte et il frappe. E se uno ode la sua voce. Et si quelqu'un entend sa voix. Ed apre la porta. S'il ouvre la porte. Lui entrerà. Il rentrera. E cenerà con te e tu con lui. Et il soupera avec toi et toi avec lui. Perché mangia con i peccatori? Pourquoi mange-t-il avec les pécheurs? Perché lui è un amico. Parce que c'est un ami. Un amico più affezionato di un fratello. Un ami qui a plus d'affection qu'un frère. Non ho il tempo per descriverti tutti i passi biblici nel Vangelo dove Gesù si mette a tavola. Je n'ai pas le temps de te décrire tous les passages où Jésus mange à table. Probabilmente nella vostra mente di lettori della Bibbia stanno scorrendo tanti versi. Certainement, vous qui êtes habitué à lire la Bible, vous avez beaucoup de passages qui défilent dans votre esprit. In quante occasioni Gesù si è messo a tavola? Dans combien d'occasions Jésus s'est mis à table? E in tutte queste occasioni egli ha dato consolazione. Et dans toutes ces occasions, le Seigneur a donné la consolation. Alléluia. Alléluia. Quella donna era una peccatrice. Cette femme est une pécheresse. Tutti lo sapevano in paese. Tout le monde le savait dans ce pays-là. E venne a tavola, venne mentre lui era a tavola. Pendant que Jésus était à table, elle vint. Si buttò ai piedi. Et s'est jetée à ses pieds. E si mise a piangere e a lavare i piedi con le sue abbondanti lacrime. Et s'est jetée à ses pieds avec ses larmes, elle a lavé les pieds de Jésus. Sciolse i capelli, cosa indecorosa per una donna. Elle a défait ses cheveux et c'était pour elle une gloire. E li asciugò. Et elle a essuyé. E Gesù le disse. Et Jésus lui dit. Tutti i tuoi peccati ti sono rimessi, vai in pace. Tous tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Alléluia. Alléluia.
Perché mangia con i peccatori e con i pubblicani? Pourquoi mange-t-il avec les pécheurs et les publicains? Perché è un medico e vuole guarirci. Parce que c'est un médecin qui veut nous guérir. Perché è un amico e vuole consolarci. C'est un ami qui veut nous consoler. Perché è il Salvatore e vuole salvarci. Parce qu'il est le sauveur et il veut nous sauver. È l'intercessore e vuole perdonarci. Il est l'intercesseur et il veut nous pardonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Gesù è l'intercessore della nostra vita. Jésus est l'intercesseur de notre vie. Oh, Giobbe lo chiama l'interprete. Job l'appelle l'interprète. Alléluia. Oh, avessi qualcheduno che interpreti per me, per Oh, Job disait s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'interpréter. Noi rispondiamo, noi lo abbiamo uno. Et nous pouvons dire nous avons Et quelqu'un. Il suo nome è Gesù. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gesù ti capisce. Jésus te comprend. Gesù ci comprende. Jésus nous comprend. Alléluia. Amen. Perché mangia con i peccatori e i pubblicani? Pourquoi mange-t-il avec les pécheurs et les publicains? Abbiamo cantato più di una volta dei cantici che dicevano. Nous avons chanté tout à l'heure des cantiques qui disaient. Gesù è il maestro. Jésus est le maître. Egli mangia con queste persone perché mangiando li istruisce. Parce que en mangeant avec ces gens-là, il les instruit. Quanti insegnamenti ha dato a tavola? Combien d'enseignements a-t-il donné à table? A tavola. À table. Egli ha insegnato le cose che lo riguardavano. Il a enseigné les choses qui le concernaient. Ha insegnato le cose profonde di Dio mentre era a tavola. Il a enseigné des choses très profondes, des choses de Dieu. Gloria al Signore per questo. Gloire au Seigneur pour cela. E questo ha cambiato la vita di tanti. Et ceci a changé la vie de plusieurs. Oggi non viene letteralmente a casa. Aujourd'hui, il ne vient pas d'une manière visible à la maison. Però è altrettanto reale. Mais il est toujours réel. E noi possiamo questa sera realizzare pienamente. Et nous pouvons réaliser pleinement. Che egli entra nel nostro cuore. Qui peut rentrer dans nos cœurs. E condivide le sue ricchezze con noi. Et partager ses richesses avec nous. E saremo saziati e gusteremo le sue benedizioni. Et nous serons rassasiés et nous goûterons ses bénédictions. Come cibo succulente. Comme un mets succulent. Difatti Isaia dice: venite, comprate da me. Isaïe dit ceci: venez et achetez. Senza denaro, senza pagare. Sans argent, sans payer. Venite, mangerete cibi succulenti. Venez et mangerez des mets succulents. Alléluia. Amen. E questa sera noi possiamo gustare questo cibo. Et nous pouvons goûter ce soir cette nourriture. Perché mangia con i peccatori e i pubblicani? Pourquoi mange-t-il avec les pécheurs et les publicains? Perché è il fratello che unisce. Parce qu'il est le frère qui réunit. Alléluia. Amen. Egli non si vergogna di chiamarci fratelli. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Egli mangia con noi facendoci sentire membri della sua famiglia. Il mange avec nous afin que nous nous sentions membres de sa famille. Non semplicemente degli ospiti. Pas simplement des hôtes. Ma ci fa sentire dei figli. Mais il nous fait ressentir comme des enfants. Ses enfants. Ti senti un figlio di Dio? Est-ce que tu crois que tu es un enfant de Dieu? Lo puoi diventare in questo momento. Tu peux le devenir à l'instant même. Realizzare piena comunione con Gesù. Réaliser une communion avec Jésus. Oh, un figlio non va dicendo alla mamma: mamma, posso per favore aprire il frigo? Un enfant ne dit pas à sa mère: maman, est-ce que je peux ouvrir le frigo? Apre e mangia tutto quello che vuole. La mère dit: tu ouvres et tu manges tout ce que tu veux. È figlio? C'est le fils. È a casa sua. Il est chez lui. Noi siamo i suoi figli. Nous sommes ses enfants. Abbiamo piena libertà. Nous avons pleine liberté. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Quasi come mi sono sentito io a casa del fratello Mattina. Voilà comment je me suis, j'étais vraiment bien accueilli de la même manière chez le frère Mattina. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Che meraviglioso Signore che noi abbiamo. Quel merveilleux Seigneur que nous Alleluia. Avons. Amen. Eppure a quella tavola. Mais quand même à cette table. Possiamo trovare qualcuno che tradisce. Il peut y avoir des gens qui trahissent. Mentre Gesù era a tavola con i suoi discepoli. Alors que Jésus était à table avec ses disciples. Ce n'era uno che di lì a poco lo avrebbe tradito. Il y a quelqu'un qui allait peu de temps après le trahir. E qualcuno disse: chi è che ti tradirà?
Et quelqu'un dit, Seigneur, mais qui va te trahir? È colui che intinge il boccone nel mio piatto. Eh bien, c'est celui qui trempe son pain dans mon assiette. E questo ci fa comprendere che a tavola con Gesù ci possono essere dei traditori. Et ceci nous fait comprendre même qu'avec le Seigneur à table, il peut y avoir des Qualcheduno che volta le spalle a Cristo. Quelqu'un qui tourne ses épaules à Christ. Qualcheduno che non apprezza quanto Gesù ha fatto per noi. Quelqu'un qui n'apprécie pas tout ce que Jésus a fait pour lui. Io spero che non ce ne sia nessuno fra di noi. Mais j'espère qu'il n'y ait personne qui ressemble à celui-ci. Ma che ci siano discepoli innamorati del Maestro. Mais qu'il y ait des disciples qui soient amoureux du Maître. Profondamente legati, eternamente legati a Gesù Cristo, il Maestro. Profondément liés, éternellement liés à Jésus, le Maître. Probabilmente la tua vita può essere fatta di tanti pezzi. Certainement que ta vie est faite de beaucoup de morceaux. Nessuno vuole più metterci mano. Plus personne ne peut arranger tout cela. Probabilmente tu stesso, guardando la tua vita, potresti dire: ma che cosa ne può venire fuori dalla mia vita? Et toi-même, en regardant ta vie, tu peux te dire: mais qu'est-ce qui peut ressortir de bon de ma vie? Mettiamoci nelle mani del Signore. Mettons-nous entre les mains du Seigneur. Questa sera, non lasciare questo luogo senza avere detto: Signore, nelle tue mani rimetto la mia vita. Et ce soir, ne quitte pas ce lieu sans dire au Seigneur: je remets ma vie entre tes mains. Questo messaggio è un messaggio che ti vuole dire chiaramente. Ce message est un message qui veut te dire clairement. Che Gesù ti ama. Que Jésus t'aime. Gesù ti comprende. Jésus te comprend. Gesù vuole guarirti. Jésus veut te guérir. Gesù vuole istruirti. Jésus veut t'instruire. Gesù vuole intercedere per te. Jésus veut intercéder pour toi. Egli è l'unico mediatore. Il est le seul médiateur. Sapete, recentemente, lo dicevo qualche giorno fa, c'è stata una statistica in Italia. Je le disais il y a quelque temps, eh bien il y a une statistique en Italie. Si è fatta un'indagine fra i religiosi. Il y a une enquête parmi les religieux. Per verificare chi fosse la prima persona a cui ci si rivolge. Pour voir quelle était la personne à laquelle on s'adressait le plus souvent. E sapete in che posto occupava Gesù? Est-ce que vous savez quelle place avait Jésus dans cette enquête? In questa statistica, dans cette statistique, non era al primo posto. Il n'était pas à la première place. Neanche al secondo. Ni à la seconde. Neanche al terzo. Ni à la troisième. Occupa il settimo posto. Il occupait la septième place. Per tanta gente religiosa, pour beaucoup de gens religieux, ci sono sei santi più importanti di Gesù. Il y a six saints plus important que Jésus. A cui rivolgersi e affidare la propria preghiera, la propria vita. A chi confie leur vie et leur prière. C'è gente che piange dinanzi a queste statue. Il y a des gens qui pleurent devant ces statues. Hanno sincera fede. Et ils ont une foi sincère. Ma hanno messo la loro fede in qualche cosa che non aiuta. Mais ils ont mis leur foi dans quelque chose qui ne les aide pas. La Bibbia dice: hanno orecchie e non odono. La Bible dit ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des bouches mais ils ne parlent pas. Ils ont des mains mais ils ne touchent pas. Ils ont des pieds et ne marchent pas, au contraire, il faut les porter sur les épaules. Mais notre Dieu est un Dieu vivant. Et il est au milieu de nous. Pronto in questo istante a farti scoprire e realizzare il suo grande amore. Et il est prêt en cet instant à te faire découvrir son grand amour. E io prima di lasciarvi. Et avant de vous quitter. Mentre siamo in questo momento voglio pregare per voi. Et dans cet instant je veux vraiment prier pour vous. Io non ho niente. Je n'ai rien. Ma lui ha tutto quello di cui hai bisogno. Mais lui il a tout ce dont tu as besoin. E voglio pregare affinché la grazia di Dio benedica la tua vita. Et je veux prier afin que la grâce de Dieu bénisse ta vie. Vogliamo chinare il nostro capo. On va courber nos fronts, si vous vogliamo voulez. Chiudere i nostri occhi. On va fermer nos yeux. Ma aprire, spalancare tutto il nostro cuore. Mais par contre ouvrons notre cœur. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia, Gesù. Io sono il Dio che ti ama. Je suis le Dieu qui t'aime. Dice Gesù. C'est Jésus qui le dit. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Oh, Gesù, Gesù. È un momento importante. C'est un moment important.
Se tu hai un particolare bisogno. Si tu as un besoin particulier. Se la tua famiglia ha un particolare bisogno. Si ta famille a un besoin particulier. Questa sera abbi fiducia di Gesù. Ce soir, aie foi en Jésus. Credi in Gesù. Crois en Jésus. E vedrai la gloria di Dio. Et tu verras la gloire de Dieu. Mentre abbiamo tutti il capochino e gli occhi chiusi. Tandis que nous avons les yeux fermés, que nous avons courbé nos fronts. Tu che vuoi la sua benedizione. Toi qui veux sa bénédiction. Tu che vuoi la grazia che riempie il tuo cuore. Toi qui veux la grâce qui remplisse ton cœur. Alza la tua mano. Lève ta main. E alzala con fede. Et lève-la ta main avec foi. Alléluia, Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. E voi che avete alzato la mano. Et vous qui avez levé la main. Io non voglio mettervi in imbarazzo. Je ne veux pas vous gêner. Ma se volete venite qui davanti, mais pregheremo si voulez, insieme con il pastore. Venez sur le devant, vous qui avez levé votre main. Amen. Amen. Venite n'hésitez con fede, pas, coraggio. Pas, coraggio. Le pastore e le frère prieront pour vous. Gloria al Signore. Venez sur le devant. Voi che avete alzato la mano, venite dinanzi. Vous qui avez levé la main, venez sur le devant. Alleluia. Fate questo con fede. Faites ceci avec foi. Venite dinanzi al Signore. Venez dire merci au Seigneur. Alleluia. Venite davanti con fede. Mettetevi avec qui in foi. Fila. Juste ici. Alleluia. Tutti gli altri stiano col capo chino e con gli occhi merci chiusi. Merci aux autres d'avoir les yeux fermés. E vi chiedo di pregare anche voi il Signore. Et priez avec nous le Seigneur. Noi non conosciamo i bisogni di questi cari. Nous ne connaissons pas le besoin de ces bien-aimés. Ma Dio sa quello che c'è nel loro cuore. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans leur cœur. E questa sera vuole liberare. Et ce soir il veut libérer. Vuole consolare. Il veut consoler. Vuole riempire di Spirito Santo. Il veut remplir du Saint-Esprit. Vuole guarire le nostre anime e il nostro corpo. Il veut guérir nos âmes et nos corps. Amen. Mentre i fratelli della musica dolcemente cantano un inno. J'aimerais que les frères jouent un morceau, mais très doucement. Les musiciens, gloire à Dieu. Gloria a Dio. Qu'ils soient dans un esprit de prière. Nel nome di Gesù, benedici. Alleluia. Gloire a Dieu. Signore, per amore di Gesù. Tocca, tocca il suo cuore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, uscite da Gesù. Padre, nel nome di Gesù. Benedici quest'anima, benedicila, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore, nel nome di Gesù, glorifica il tuo nome. Alleluia, alleluia, benedici, Signore. Gloria a Dio, Padre, nel nome di Gesù. Benedici, fai vedere la tua gloria nel suo corpo, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, benedici, Signore, nel nome di Gesù. Nella tua grazia confidiamo, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia, Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, amen. Opera, Signore. Facci vedere la tua gloria. Padre, tornate al vostro posto con la grazia di Dio, con la gioia nel cuore, dicendo grazie, Gesù. Pouvez regagner vos places avec la grâce de Dieu et dites merci au Seigneur. Grazie, Gesù. Merci, Jésus. Grazie, Gesù. Merci, Jésus. Amen. Dio amen. Vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je crois que le Seigneur non seulement envoie sa parole, mais il la confirme. La Bible dit il a envoyé sa parole et il les a guéris. Nous croyons que le Seigneur dit et la chose arrive. Croyez dans la parole du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Le seul désir qui est le nôtre, c'est que la plénitude de Dieu soit votre partage. Que vous repartiez de ce lieu avec cette richesse céleste. Et rien n'est plus précieux que l'amour de notre Seigneur. Vous pouvez vous tourner, chercher à droite et à gauche, courir dans ce monde un peu partout. Vous trouverez beaucoup de choses. Vous ne trouverez pas la plénitude. Vous trouverez la joie, mais elle sera éphémère. Vous trouverez beaucoup d'amertume, de déception. Mais en lui, en Jésus-Christ, nous avons la vie. En lui, nous avons le pardon, la réconciliation, le relèvement, l'assurance de la vie éternelle. Quelle force, alléluia! Nous le voulons pour vous, chers amis, savoir en qui vous croyez, je sais, disait l'apôtre Paul, en qui j'ai cru.